Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage de l'Oppo R5 S. Donc c'est la version bodybuildée de l'Oppo R5 tout court. Alors l'Oppo R5 S est un mobile qui vient tout juste d'être commercialisé par la marque Oppo. On est en août 2015 lorsque je fais cette vidéo. C'est un mobile qui est vendu au prix de 429 €, notamment sur la boutique officielle de la marque. Donc n'hésitez pas à passer par la boutique officielle, au moins comme ça vous êtes sûr du type de modèle, de la provenance, de la livraison, etc. C'est donc le site oppostyle.com, vous retrouverez l'URL dans la description de cette vidéo. Alors l'Oppo R5 S, c'est un mobile quand même à tendance haut de gamme, hein, ça c'est clair. On est sur un téléphone chinois mais d'une marque très connue en Chine et qui est, je le rappelle, la marque qui détient la marque OnePlus. Donc OnePlus est une marque qui a été lancée par Oppo. Ça vous resitue un petit peu la capacité technique, marketing de la marque. Donc c'est une très 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 belle marque, c'est un groupe hein, qui sait faire son travail. 429 €, donc l'Oppo R5 S. On est sur un téléphone, donc tendance haut de gamme. Le téléphone, lorsqu'il vous est livré dans une surboîte. Donc il y a la surboîte qui protège la boîte du téléphone. Le tout est très bien emballé. Très bien emballé avec un très beau sachet, avec de la mousse, etc. La boîte en elle-même protège donc il y a une surboîte, hein, c'est dingue le souci du détail de cette marque. Il y a une surboîte qui protège la boîte en elle-même du mobile. Donc là, pour arriver à écraser et abîmer le mobile, faut vraiment y aller, quoi. Donc il faudrait passer sous un camion, quoi. Voilà, donc la boîte en elle-même, normalement, c'est une boîte en carton brun sur laquelle vous avez une petite languette à retirer en carton ici qui permet d'ouvrir ce rabat. Je l'ai déjà fait en fait, j'ai déjà fait une première vidéo de déballage, mais trop de bruit, elle était faite en extérieur et c'était pas exploitable, j'ai pas voulu vous la mettre, donc je refais la vidéo. Donc hop, on déballe, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? La boîte en elle-même de l'Oppo R5 S. Une petite languette en carton pour retirer la boîte beaucoup plus facilement. Hop, on met ça de côté. Tout simplement, la boîte en elle-même est dans un fourreau, mais pour le coup, comme je suis extrêmement maladroit, j'ai déchiré le fourreau. Mais le fourreau me permet notamment eh bien, de vous expliquer un petit peu les spécifications du mobile. Donc on est bien sur le pot, sur le modèle R5 S, 32 Go, puisque ce téléphone est doté donc d'une capacité de stockage de 32 gigabits. Enfin bon, je me plante toujours. On est sur le côté, donc sur le visuel de côté du mobile, on a aussi un autre petit visuel de profil, trois quarts profil. Alors sur le fourreau, qu'est-ce que l'on apprend? Bon, on a du numéro de série, mais surtout on apprend donc qu'il s'agit bien du R5S qui a un partenariat visiblement avec Schneider. En tout cas, il y a une technologie Schneider utilisée. Il s'agit bien de l'Oppo R8106, c'est la référence, doté d'un écran de 5,2 pouces AMOLED, écran Full HD 1080p, caméra dorsale, donc appareil photo dorsal 13 mégapixels, 5 mégapixels en frontal, des dimensions ultra fines, et vous allez le voir tout de suite, 5 mm d'épaisseur, même pas moins de 5 mm d'épaisseur. 7,4 cm de large, 14,8 cm de long, on veut même arrondir à 14,9 cm de long et environ 155 grammes, about 155 grammes, c'est la marque qui l'écrit. Donc fourreau en carton, à l'intérieur de la boîte, enfin à l'intérieur de la boîte, la boîte en elle-même est en plastique. Donc très classe, très élégant, design original pour, de la part d'Oppo sur ce packaging. Et ça c'est sympa, ça contribue, je vous le dirai toujours, à cette expérience d'achat. Quand on achète un mobile, on a envie qu'il soit bien conditionné, dans un beau packaging, on a envie de se faire plaisir. C'est exactement le cas ici. Belle boîte, on déballe, c'est vraiment sympa, c'est vraiment bien pensé. Et ça contribue justement à cette expérience, comme je l'appelle, l'expérience d'achat, qui vous donne, voilà, qui vous fait plaisir, toi, tout simplement. Vous avez acheté un mobile, bah, vous avez envie que, bah, voilà, que ça se passe bien. Le téléphone, donc comme je vous l'ai dit, extrêmement fin. Moins de 5 mm d'épaisseur, si on prend cette épaisseur ici. Par contre, vous l'avez remarqué, il y a un capteur photo qui est en excroissance. Donc la contrepartie ici positive, c'est qu'on est sur un design très abouti, très classe, très beau. C'est un beau mobile, design en métal. Voilà, vous l'avez vu vous-même, vous faites votre propre idée. En tout cas, moi, je suis très positif au niveau, je suis très enthousiaste et très positif au niveau du design. C'est du très, 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 très beau mobile. Donc on met ça de côté. Ça, c'est les contreparties positives. Il a un très beau design. La contrepartie négative, je vais vous la montrer avant même le test, puisqu'on va se rendre compte que ce téléphone n'est pas doté du micro... il est doté d'un micro USB, logique, mais il n'est pas doté d'un jack 3.5, ce qui est un peu dommage. Et vous allez comprendre ça tout de suite. Adaptateur secteur format Europe, sur lequel on retrouve une inscription qui va nous permettre... Alors, hop, je cherche le nombre de milliampères-heure, mais c'est d'ampères. On est sur... Hop, j'essaye de faire un petit focus de la caméra. Je crois qu'on le voit ici. 5 ampères. Donc, on est sur un chargeur destiné à la recharge rapide. Ça se reconnaît notamment avec ce logo très typique chez Oppo, le VODC, qui veut dire que le téléphone est doté de la recharge rapide. Voilà, c'est leur manière de vous dire téléphone qui recharge rapidement. Et c'est le cas, et on en reparlera bien sûr lors du test. Dans la boîte, on retrouve un kit piéton, loin d'être cheap, loin d'être entrée de gamme, on est sur un intra-auriculaire, très travaillé au niveau du design.
avec de la belle longueur de câble, avec une entrée micro, un jack 3.5, mais comme je vous l'ai dit, le jack 3.5, forcément, eh bien, il vient se greffer à un adaptateur qui, lui, va sur l'USB, le micro USB. Donc, jack 3.5, certes, mais qui va sur un adaptateur, comme je vous le montre, USB, plutôt micro USB, j'insiste bien là-dessus, et des embouts supplémentaires pour bien adapter les intra-auriculaires à vos oreilles. Donc, vous avez une série d'embouts supplémentaires, une série d'adaptateurs pour vos oreilles. Voilà, donc vous l'avez vu, hein, c'est très bien packagé, c'est très soigné. Donc, on remet ça là. On retrouve un petit berceau en carton sur lequel on retrouve le petit trombone, notamment, c'est ce que j'appelle le trombone, qui vous permet de retirer les slots dans lesquels vous allez placer les cartes micro SD et les cartes SIM. On retrouve également un petit accessoire sympa. Et voilà, je le dis aussi souvent lorsque vous voyez ce genre d'accessoires dans les boîtes des téléphones, et notamment chinois, parce que en général, il n'y a que les Chinois qui font ça. Les constructeurs chinois sont les seuls à faire ce genre de petits cadeaux, mais on retrouve une petite coque, voilà, en plastique semi-transparente. Voilà, c'est du plastique rigide. Et c'est une petite attention sympathique, ça prend quelques centimes, ça coûte quelques centimes au constructeur, mais encore une fois de plus, ça vous met dans une expérience d'achat positive. Ça fait finalement un accessoire de moins à acheter, c'est toujours bien. C'est toujours ça d'économiser. On retrouve du guide de démarrage rapide, on retrouve de la norme de certification et on retrouve une information sur le guide, on retrouve un petit guide au sujet de la charge rapide. Voilà, donc tout ça c'est des petits guides, un petit peu de documentation si vous vous ennuyez pour les lire. On retrouve un câble micro USB, USB, comme le chargeur, il a cette particularité, c'est ce connecteur là qui a un plastique vert. Bon, dans la théorie, c'est juste que c'est pour indiquer que le chargeur et le câble sont destinés à vous permettre à faire de la recharge rapide. Mais ça reste un câble USB, micro USB, voilà, mais il y a cette petite touche de design. Et c'est voilà, tout ce que l'on retrouve dans la boîte, et c'est déjà pas mal, on est quand même pas mal gâté, on est en face d'un mobile qui est beau, en face d'une boîte qui est belle, bien travaillée, avec des accessoires qui sont sympas. Donc c'est la vidéo de déballage avant la vidéo de test de l'Oppo R5S, un mobile qui vient tout juste d'être commercialisé et qui est déjà en rupture. Donc c'est pour vous dire, ce téléphone a énormément de succès, il vient juste d'être lancé et il est déjà en rupture. Bon, bien sûr, on espère que dans les jours à venir, eh bien, il y a des stocks qui reviennent de façon régulière, mais c'est comme ça, c'est Oppo, hein, c'est Oppo, c'est le succès Oppo. Voilà. Comme d'habitude, c'est le même succès que OnePlus, hein, finalement. C'est des très beaux mobiles qui partent très très vite et qui finissent très souvent en rupture, donc il faut vraiment trouver le bon moment pour les acheter. Voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, lâchez-vous, faites-nous plaisir, ça nous fera donc toujours plaisir de lire vos commentaires et de répondre, de réagir à vos commentaires, ça fait, bah c'est comme ça qu'on marche hein, chez Top for Fun, hein, vous le savez. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait et à nous retrouver sur le site, le forum, Facebook et Twitter, autant d'endroits où eh bien, venir nous voir. Et n'hésitez pas, si vous voulez acheter ce mobile, eh bien, à vous rendre sur le site, je le rappelle, de oppostyle.com, c'est la boutique officielle. Voilà, donc c'est toujours, à mon sens, plus sympa d'acheter sur la boutique officielle. Au moins, vous évitez les intermédiaires, vous êtes sûr de la provenance et de la catégorie du mobile. Voilà, et en tout cas de sa qualité. Merci d'avoir visionné cette vidéo, je me répète, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos de tests, de déballage et de présentation, comme d'habitude. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.